Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa zone là. À nous commence par un titre qui nous peut développer dans sa édition là. Krishna, Janmashtami, soit naissance bondier Krishna, peut célébrer à soi avec enthousiasme et que dévotion, ben la célébration qui marquée par ben la prière et que ben santé dévotionnelle. Fête Saint-Louis, fin célébré à Zodi, fin la messe à côté Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et que plusieurs personnalités y présent. Monseigneur Jean-Michel Duron, fin démon à ce qu'il a paix et que l'harmonie régnait dans le cadre prochaine élection. Retombée positive après mission, ministère des Affaires étrangères dans le Japon, dans le cadre TICAD, Maurice et que Japon souhaite approfondir cette coopération dans plusieurs domaines. Bientôt, on a un nouveau plan d'action national à la prévention et que contrôle des bonnes infections pour période 2025 à 2029. Concernant Mpox, ministre Dr Kailesh Jagatpal fin affirmé qu'un comité peut suivre la situation de près. Maurice dispose 1000 tonnes pour les surgelés, selon ministre Mahen Sirotan. La situation peut stabiliser d'ici des semaines. Ministère disposé importe 300 tonnes poulets si nécessaire. Nouvelle déo, finina inondation dans l'état Gujarat dans l'Aisne. Une centaine des ban habitants fina bizin évacués. Azodi nous paie moque célébration Krishna Janmashtami, soit naissance bondier Krishna. C'est à minuit qui Krishna fina né pour célébrer sa naissance à Bana Devo. Pour réciter ben la prière qui symbolise aussi cette dévotion à bondier Krishna, qui pour rappel, c'est 8e incarnation bondier Vishnu lors la terre Krishna Janmashtami, dit célébré aussi à travers ben la santé dévotionnelle et qu'à ben représentation théâtrale qui illustrait la vie et qu'à ben enseignement bondier Krishna. Reportage. Depuis qu'il est enfant, Krishna Bordas se la joie de vivre avec tout le monde qui entoure lui. Il est aussi appelé Bal Krishna quand il est baba. Ce sourire captivant qui apporte bonheur et que sérénité à ses parents adoptifs. Dans Vrindavan, Krishna passe cela de l'essence dans un cadre enchanteur entouré avec ses camarades et ses vaches sacrées. En ban les autres noms, Krishna, c'est Govinda, qui signifiait protecteur, l'est souvent représenté comme un jeune éleveur qui veillait avec amour loin d'un troupeau de vaches. Ban vache occupe une place centrale dans la culture hindoue, se te considérer comme la mère nourricière de l'humanité parce qu'il se fournit du lait vital pour tout le monde. Krishna, c'est aussi un Krishna lui aussi écarte ban obstacle, le chemin ban dévot et lui et zut réalise cette aspiration spirituelle. Krishna lui aussi considéré comme un rassembleur avec l'aide de la flûte mélodieuse. Lui attire mystique madame qui pérode refuge et protection, lui accorde zut ses bénédictions infinies et lui guide zut pour surmonter ban épreuve de la vie. Krishna Janmashtami, l'imoque l'anniversaire a venu au monde, Krishna. D'après ban texte sacré hindou, Shri Krishna est né dans Mathura à minuit, 8e jour, mois Bhadrapada. C'est la nuit divine là, l'y célébrer avec dévotion et ferveur. Ban fidèle, bondier Krishna, se célébrer Janmashtami par un jeûne. Ban fidèle, bondier Krishna, zut célébrer Janmashtami par un carême, ban chant dévotionnel et qu'en la prière collective, et zut honore ainsi 8e incarnation bondier Vishnu. Ban récitation Bhagavad Gita li résonne dans man temple et li apporte en l'atmosphère spiritualité profonde. D'après ban dévot, ça garantit en la vie paisible et sereine, protégée par ban bénédiction Krishna. Toujours dans le cadre célébration Krishna Janmashtami, comment chaque année, Bhagavad Gita Team qui réunit ben fonctionnaire fin organise une cérémonie d'Abhishekam dans la salle Hindu Mahasabha. Donc pour lui, Krishna Janmashtami l'y célébré avec beaucoup d'enthousiasme et de dévotion partout à travers les mondes. «
Janmashtami, qui est aussi appelé Gokulashtami, il réunit chaque année à travers le monde ben, milliers de dévots de bon Dieu Krishna et il diffuse des messages la paix, l'amour et l'harmonie. L'histoire de la naissance de bon Dieu Krishna, l'hymne de Bankin Pli est racontée et plus content et qui plus célébrée dans la culture hindoue. C'est une histoire d'intervention divine, de prophétie et de triomphe de bien, l'eau le mal. Un de mes symboles qui plus emblématique associé à bon Dieu Krishna, c'est la flûte. Sa représentation-là de sa personnalité divine et n'a une signification spirituelle importante pour ce ban fidèle. Ça l'année là encore, Bhagavad Gita Team, qui réunit un ban fonctionnaire, qui organise une cérémonie Abhishekam dans la salle Hindu Mahasabha dans pour lui. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram. Bon Dieu Krishna l'est connu sous plusieurs noms. Chacun met en relief une qualité, un exploit ou une relation spécifique et l'y servit pour exprimer l'amour et la dévotion envers lui dans une pratique religieuse et une récitation dévotionnelle. Murari lui fait référence à l'exploit héroïque que le bon Dieu Krishna a vaincu démon Mura. Shyam, sa épithète-là lui réfère à ce teint sombre ou bleu de sa peau et lui est souvent servi pour décrire sa beauté divine et ce charme irrésistible. Ce bon enseignement dans le livre sacré Bhagavad Gita est un impact profond sur la philosophie et la culture hindoue. C'est pour promouvoir la lecture de Bhagavad Gita. Krishna décide pour donner ça à Arjuna, un dévot bien intime pour Krishna. Il apporte sa knowledge là, de science de Bhagavad Gita à Arjuna. Bhagavad Gita, il y en a 18 chapitres, 700 versets. Il y a une solution de tout un problème qui nous est dans la vie. Message intemporel d'amour, compassion et responsabilité de bon Dieu Krishna les résonne aussi fort à Zodi qu'il y était à l'époque des millénaires de cela. Ce ban riche enseignement récène fort de dévotion pour ban millions de dimoun à travers le monde. Pédiaouli d'oban titre fête Saint-Louis fin célébré aujourd'hui par évêché pour lui dans sa cadla finenen la messe grammaté dans cathédrale à Saint-Louis. Thème de sa événement-là, c'est Saint-Louis, Dibout Pouteux Pays, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et ce madame Kobita Jagnauth, président de la République Prithviraj Singh Rupen et ban les autres parlementaires qui présents dans ce homélie évêque pour lui, Monseigneur Jean-Michel Duron, fin démon à ce qui la paix et l'harmonie régnait dans cadre prochaine élection. La capitale peut célébrer ce saint patron, finena traditionnel la messe Saint-Louis, grand matin. Tout clergé réuni autour l'évêque Monseigneur Jean-Michel Duron. En la messe, en présence président de la République, Prithviraj Singh Rupen, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth, épouse Premier ministre Kobita Jagnauth, leader l'opposition Dr. Arvind Bulel, ainsi que ban membres l'Assemblée nationale, entre autres, et co-diplomatiques. Saint-Louis Finmo, le 25 août 1270, les Fins vivent la vie piété et charité. Pendant l'homélie, l'évêque pour lui fit rappeler que Saint-Louis fit aussi œuvrer pour la paix, lui qui fit mérite pour interdiction pour dormir dans Moyen-Âge. Évoquant ban prochaine élection, Monseigneur Jean-Michel Duron fit prier pour une campagne électorale dans la paix et respect. Je voudrais attirer notre attention peut-être sur ce communalisme qui est une forme de violence. À travers les réseaux sociaux et par d'autres moyens, des fois je suis triste que des paroles communales sont utilisées et viennent mettre en danger notre tissu social toujours en construction. Je prie pour que les candidats durant la campagne électorale puissent présenter leur projet de société qui a pour finalité le bien commun de tous les citoyens mauriciens. Je prie pour que des adversaires politiques puissent faire valoir leurs idées dans le respect de la personne humaine. Je prie pour que la campagne électorale se déroule dans un climat où ne règne pas la peur et des tensions.
Chaque personne, homme et femme politique, ainsi que chaque citoyen, a une grande responsabilité pour que Maurice soit un modèle de comportement démocratique à l'échelle nationale et internationale. Avec Saint-Louis, Djibout pour au pays, comment un citoyen Saint-Louis ne prend conscience aussi sur responsabilité politique. Et l'intercession de Saint-Louis. Ban la prière universelle fin dire pour Oro Perro et Dorine Chokouri. Prions le Seigneur. Ban cantique tiré pour chorale, la cathédrale et police band. Un moment piété et ferveur qui fin retentit pendant sa cérémonie là, qui fin aussi trouve la présence d'une délégation congrégation ban ser bon et perpétuel secours depuis Vatican. Maurice et Japon et en gaz à zut à approfondir cette coopération dans plusieurs domaines. C'est ce qui fin ressortir d'une réunion qui fin faire hier dans Tokyo entre ministre des Affaires étrangères Manish Gobina et que ce homologue japonaise Yuko Kamikawa a pour projet ouverture d'une l'ambassade mauricienne dans Japon. Tous les deux parties finissent aussi à bord d'une collaboration renforcée dans le domaine sécurité maritime et dans la promotion des investissements japonais dans Maurice. Sa mission mauricienne-là dans Japon finit intervenir dans le cadre préparatif pour TICAD, soit conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. À nous faire le point. Man travaux ministériels de la TICAD, conférence internationale de Tokyo, le développement de l'Afrique, finit à lieu les 24 et 25 août dernier dans le Japon. Sur place, ministre Affaires étrangères de Maurice, Manish Gobin, Finzuen, son homologue japonais Yoko Kamikawa. Les deux parties finent d'accord pour promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert. Le chef de la diplomatie mauricienne finit également exprime l'intention du gouvernement Maurice pour ouvrir une ambassade dans Tokyo. À cet effet, la délégation mauricienne finrode le soutien du gouvernement japonais. Par la suite, les deux ministres finent d'accord pour continuer la coordination domaine-domaine, sécurité maritime et l'économie bleue. Un autre volet abordé concerne un plan coopération pour augmenter l'investissement japonais dans Maurice et l'IDB Mauritius pour faire le suivi. Promotion Maurice en tant que destination sûre et passerelle vers continent africain pour renforcer auprès d'un homme d'affaires japonais. Le communiqué de presse, ministère japonais des Affaires étrangères, mentionne également qu'il y a une relation entre Japon et République Maurice pour développer davantage. Au total, 47 pays d'Afrique participent à cette réunion ministérielle pour préparer la TICAD 9 qui prendra lieu en août 2025 à Yokohama, au Japon. La suite de sa zone là après une page publicitaire. En février, l'outil lance nouveau carte d'identité. Aster Mobile ID Pévini. Il y a une version ou carte d'identité non portable. Ni où soit, pour une mobile ID ou non, ni pas obligatoire. Si vous avez envie d'un mobile ID, vous pouvez downloader l'application. Ou pour capable servir comme un prêt d'identité, pareil comme au corps. Également dans l'actualité, le ministère de la Santé et Travail a le développement un nouveau plan d'action national à la prévention et que contrôle des infections. En effet, dernier plan d'action 2021-2023 fin terminé. C'est dans ce contexte-là qu'il va officier depuis différents départements dans le ministère de la Santé fin juin azodi d'un atelier qui est allé le 5 août dans Côte d'Hortz, Center de Pau-Luy. Sa nouveau plan d'action là pour viser à couvrir la période 2025-2029. Présent dans sa atelier là, ministre Dr Kailesh Jagpal fin à cause la nécessité sa plan d'action national là. Concernant maladie Mpox, ministre de la Santé fin à cause le comité qui fin met en place dans ce ministère pour capable faire suivi sa maladie là. Prévention et contrôle ban infection zut ban élément important dans man stratégie chez la santé publique qui vise pour limiter propagation ban maladie infectieuse dans man établissement de santé et dans man communauté. Plan d'action national pour prévention et contrôle ban infection 2021-2023 est terminé.
et que nouveau plan pour 2025-2029 pour mettre en place. Ce nouveau plan-là pour aide pour préparer à ban fiti à épidémie. Quand on parle de prévention et contrôle des infections, on parle d'abord de prévention pour les professionnels de santé. Donc c'est vraiment pour sauver la vie. Nous sommes pour le moment dans une urgence de préoccupation internationale avec Mpox. Les procédures à mettre en place pour le contrôle et la prévention des infections sont particulièrement importantes. Maurice peut améliorer en matière de prévention et contrôle de l'infection et que nous pays peut continuer dans sa direction-là. Concernant Mpox, ministre Jagat Pal a annoncé qu'il comité qu'il met en place dans ce ministère pour faire suivi de sa maladie-là, finisouane. Il est important pour nous, pour Gétancout, au niveau international, au niveau du continent d'Afrique, qui peut passer à mesure, qui mène précaution de nous apprendre. Et aussi, nous pouvons mettre des guidelines de l'OMS lors de la question du vaccin. Nous déjà avons un vaccin. À qui nous vous donne un vaccin? Par exemple, là, en ce moment, l'OMS dit à nous qu'il faut un vaccin ben d'immune qui est en close contact avec un cas de Mpox. Ce comité-là pour veiller à ce qui ban mesure de surveillance de ban point d'entrée, comment les ports et que l'aéroport se renforcer. Ministre agro-industrie Mahen Siroton a affirmé que Maurice dispose de 1000 tonnes pour les surgeler. Selon ministre Siroton, la situation peut stabiliser d'ici des semaines. Mahen Siroton a souligné qu'ils ont disposé un porte 300 tonnes pour les si nécessaire. Saban l'annonce là fin fait aujourd'hui d'un atelier qui fin organisé par Codex Alimentarius Commission dans Codon Hortz Center de pour lui. Sa l'organisation là est responsable pour établir ben, la norme internationale en matière de sécurité alimentaire. 55 experts mauriciens dans sa secteur là fin zone pour discuter le respect qualité des ben, produits de Maurice. Codex Alimentarius, une organisation internationale qui est vraie pour l'établissement de normes alimentaires. À Maurice, Comité national Codex, composé par le ministère de la Santé, Agro-Industrie et Commerce, entre autres. Ce ban membre participe à un atelier de travail pour assiéger qui ban normes sécurité et qualité alimentaire respectée. Il regroupe plus de 55 experts nationaux. Pour travailler main dans la main pour qu'ils nous préparent un nom pour Maurice, qui nous permettent de nous la table, les jeunes consommateurs, ça manger là, ça manger. Et au niveau Codex, un nom là fait à l'international, c'est-à-dire tout le pays vient ensemble, vient discuter comment un nom là bien été, ça qu'un dire son input, ça qu'un dire son contexte local, sa situation qui prévaut dans le pays. C'est aussi une collaboration entre FAO et OMS pour recherche scientifique et investigation liée à l'alimentation. Nous savons que partout dans le monde, il existe des gros problèmes liés à des infections alimentaires pendant le transport des aliments, pendant le stockage de ces aliments. Et donc le but vraiment de ce Codex Alimentarius, c'est de mettre en place toutes les normes et les bonnes guidances et les bonnes pratiques pour être sûr que ces problèmes n'arrivent pas et que donc nous voulons protéger les consommateurs à Maurice. À Maurice, sécurité alimentaire reste une priorité, notamment quand nous cause importation poulet surgelé. Je veux dire que la semaine dernière, nous avons gagné une dizaine de demandes qui tournent autour de 300 tonnes de poulet surgelé qui sont occupés en vie importée. Mais malheureusement, la plupart des demandes, c'est un pays autre que ce soit un pays qui déjà ne serait pas autorisé immédiatement. Donc la plupart, c'est de la Turquie et c'est un autre pays. Donc pour ça, nous besoin justement gagner sa certification sur un pays-là pour avoir nous capable de permettre l'importation de poulet par un producteur local. On a un stock de autour de 1000 tonnes déjà disponibles là et d'être capable de fournir le marché. L'information que je fais fournir moi, c'est que dans l'espace de 2 semaines, la chose pour normaliser. D'après ministre Mahen Siroton, Maurice dispose d'un stock poulet surgelé. Importation ce aliment-là pour faire si bizarre et que d'après démane le marché. Nouvelle déo dans plusieurs régions dans Gujarat, dans l'Aisne, finit une inondation à côté d'une centaine de habitants fin bizarre évacués. Ça finit causé par une grosse pluie qui finit tombée pendant des derniers jours. À nous faire un point, l'Aubana, nouvelle l'étang à présent pour Maurice, un fort anticyclone dans les suds des Mascareignes a pu maintenir les temps venteux et qu'à frais l'ONU région. Prévision pour prochain 24 heures, les temps pour nuageux à soi et qu'à demain matin avec un peu la pluie, principalement dans l'est, dans les suds et qu'à l'eau plateau central, température minimale à pouvoir y entre 13
et qu'à 15 degrés au plateau central et entre 17 et 20 degrés dans la région côtière d'Ivan pour souffler depuis l'est à sud-est à environ 30 km par heure avec une rafale à jusqu'à 70 km par heure. Une sortie en haute mer déconseillée, marée haute demain il pourra 10h58, marée basse demain il pourra 1h58, dix matin, soleil pour lever demain à 6h22. Madame Missier, nous fin arrive à la fin de nos journal. Merci au fin de suivre. À suivre Journal télévisé 7h30 l'OMBC Anna. Bonne soirée, l'Oban Chan MBC.